Viens ici. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges dans ton œuf? Donc voilà, c'est la première maquette que j'ai réalisée pour ce projet, Conexa Viva, ça veut dire les vivants connectés. Donc c'est une coque en résine translucide et je l'ai fabriquée en sorte que ça s'arrête l'image vidéo. Et il y a une créature qui vit en fait sur le paroi de coque comme ça. Donc en fait il y aura plusieurs, il y aura cinq offres. Et dans chacun, il y aura une créature et par le toucher et les caresses, tu pourras les faire interagir et évoluer. Après que je fabrique le moule, on va couler en résine translucide et du coup, on aura la vidéo vers cette partie. Qu'on pourra enlever peut-être plus là, toi. Un petit peu vider là. Et pareil, ici. Pour pouvoir. Ici, c'est un tentacule aussi, toi. Ça commence à faire vraiment une bestiole. Au début, quand je suis partie sur ce projet-là, pour les socles, j'ai pas eu d'idée spéciale. Donc, je les ai dessinés comme ça. Après, plus tard, je les ai. Approprié, c'est-à-dire que on va avoir un espace de scénographie avec des volumes un peu de science-fiction avec des espèces de tentacules sur lesquels les résines sera déposées. Donc pour ça, on a fait plusieurs essais avec l'équipe de science et animation. Super. Et là, t'as bien avancé aussi. Après, il y a des créatures de familles différentes. Pour chaque œuf, je vais définir une famille avec différentes sortes d'évolution, avec un peu de science et beaucoup d'imaginaire.